un hub logistique pour le transport routier, ferroviaire, aérien, fluvial ou encore maritime. Bienvenue dans le monde de la French Connection, ici à Eura Logistique, un pôle d'excellence logistique régionale, supply chain ou encore plateforme collaborative. Explication avec Laurent Després. Laurent Després, bonjour. Bonjour. Alors nous voici ici donc à Eura Logistique. Tout à fait. Un pôle d'excellence logistique où vous dites que vous inventez la logistique de demain. Oui. Ça veut dire quoi? Alors avec les entreprises, il s'agit pour nous de mettre en place tout un tas de processus qui nous amènent à développer l'excellence logistique en Nord-Pas-de-Calais. La logistique n'a pas de frontières. Les flux passent d'une frontière à une autre. Mais par contre, il est clair que la région Nord-Pas-de-Calais est un bassin logistique idéal au carrefour de trois métropoles et puis avec un ensemble d'axes multimodaux, qu'ils soient fluviaux, qu'ils soient routiers ou qu'ils soient ferroviaires, et qui lui confère une vraie capacité à devenir une place forte. C'est déjà une place forte pour les marchandises, mais ça l'est encore plus pour les flux logistiques qui transitent ou alors qui circulent à l'intérieur de la région. Et avec toute la performance liée aux nouveaux modes que sont l'e-business, que sont le drive, et qui conditionnent le développement des nouvelles logistiques à inventer. Sans oublier bien sûr la traçabilité, puisque le produit, on doit le suivre du départ à l'arrivée. Et donc tout ça, c'est de la technologie, c'est du tracking, c'est de la logistique. C'est une discipline beaucoup plus large qu'on peut le penser. Ici, tout converge. On appelle ça la massification des flux. Et l'Internet des marchandises se développant à une vitesse folle, il faut optimiser chaque transit pour une orchestration parfaite entre les entreprises, ses fournisseurs et ses clients. Et l'enjeu de la supply chain et l'enjeu in fine de réduction de l'empreinte carbone et d'un coût logistique qui soit aussi un coût énergétique le plus bas possible, c'est tout l'enjeu de cette optimisation logistique qui est complètement synchrone avec la TRI aujourd'hui. C'est un pilier, c'est le pilier de la mobilité. Ce challenge, il est amené en tracteur. C'est-à-dire que les flux d'informations, on doit les synchroniser entre acteurs. Et ce n'est pas simplement à l'intérieur de l'entreprise. Donc l'enjeu aujourd'hui est du travail collaboratif. Et c'est pour ça que notre plateforme est naturellement collaborative. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Au revoir.